Bonjour, je vais vous interpréter Sans vergogne. Sans vergogne, ils vont aller dîner quand les anciens se mettent à crever. Pas de sous, disent-ils, et point indignés devant leur ripaille et bien abreuvés. Tous ces fourbes et voyous gravitent quand je les entends dans leur conciliabule, se glorifiant presque diératique. S'apparenterait-il à des crapules? Sans vergogne, il continue et toujours, depuis des lustres, leur fameux discours. C'est pas demain qu'ils trouveront grand amour de ces peuples méprisés pleurant un secours. À l'assemblée, le jour de grâce vient d'arriver. Ils vont gentiment pouvoir se les voter, leur royalty et nous moraliser. Cela mériterait une vraie déculottée. Sans vergogne, il respire l'incompétent en prenant grand soin de ne point le répandre. À contempler leur vote souvent pédant et à vociférer que c'est pour nous défendre. Mais que savent-ils de la vie des gueux modernes? Est-ce la peur qui les éloigne simplement, ou leur dieu nanti vers qui ils se prosternent? Savent-ils ce qu'est vivre misérablement? Sans vergogne, ils saignent l'éducation de la petite école et de la très grande, à dériver vers une certaine égoutation. L'instruction deviendrait-elle une légende? Pauvres écoliers, étudiants de demain, vous aurez toujours une richesse bien réelle. La passion, le courage face à ces gredins qui, pour certains, vous feront la part belle. Sans vergogne, ils vont aller dîner quand les anciens se mettent à crever. Pas de sous, disent-ils, et point indignés devant leur ripaille et bien abreuvés. Tous ces fourbes et voyous gravitent quand je les entends dans leur conciliabule, se glorifiant presque diératique. S'apparenterait-il à des crapules? Merci.